pouvez résumer le week-end ski en deux mots? En deux mots? Bah, la folie quoi. Ouais. En deux mots? Bon bah ski, allez, orange et alcool. Moi je dirais le ski et la fume. En deux mots? Deux mots. Violet. Sinon il y a bonjour, hydraté. Ok, ce serait enjoy et violet. Ok mon pote. Dit en deux mots, je dirais violet orange parce qu'on a affaire à deux listes très prometteuses qui se battent. Et on verra la finalité. Deux mots. Max. Alcool et trop bien. La fume, l'alcool, du sexe. Je dirais tout d'abord que c'est très étrange, mais sensationnel. Deux adjectifs. Demain. Une super soirée avec du violet et du haut. Ski et violet. Et peut-être orange aussi. Chaise et table. Oh, non, pas chaise et table, non. Vomi, vodka et dégueulis. Voilà. Violet, orange. Alcool. Flic peut-être. C'était hardcore. Soirée énorme. Il y a du monde en haut, en bas. Absinthe et dégringolage. Deuxième mot, orange. Orange. Bruit et ambiance. Soirée énorme et trop drôle. Ma soirée en deux mots, c'est fou. Nous on est la liste orange. D'ailleurs, vous qui regardez, votez pour nous. En deux mots, je dirais tout simplement et avec le plus d'égalité possible, violet, orange. Pourquoi avoir choisi violet d'abord et après orange? Tu gardes le meilleur pour la fin ou tu favorises celui qui est le premier? Le but, c'est d'essayer de décrypter mon message. Donc, bien entendu, je ne répondrai pas à cette question. Il va falloir à vous trouver dans mon jeu de regard, dans mon expression du visage, dans mes habits, dans tout ce qui est possible, un signe qui voulait dire orange ou violet. Et cette fois-ci, je change pour perturber encore le spectateur.
nous rapper un truc comme ça direct là, vas-y. Je vais vous rapper un truc. Oh putain, la bourrée tout de suite ça paraît chaud. Alors vas-y, l'aspiration, est-ce qu'elle vient? L'aspiration, est-ce qu'elle vient? Ok, ok. Les oranges ils sont hâtes, les oranges ils passent pour la soirée. Les oranges ils servent l'alcool, les oranges ils sont rapides. Les violets, les violets, ils se font violer. Les violets, ils savent rien. Les violets, on les nique. Mais nous on est là pour faire plaisir. C'est tout ce que j'avais à dire. Les violets, c'est une bande de potes. On se connaît super bien, on fait les choses ensemble, on est très soudés et assez bien organisés. Voilà. Question traditionnelle, avec qui t'aimerais finir ta soirée à la prépa? Je connais pas son prénom, elle est en sup. Elle est en sup, elle est brune et je sais pas. Moi, ma fille préférée, ça serait ce jeu. Voilà. C'est moi. Ou peut-être. Peut-être, voilà. Honnêtement, déjà avec une bafouée, ça peut être pas mal. Là, je suis d'accord. Une belle fille. Comment ça finir pour eux? Enfin, une fille, toi, fille, toi. Zoé Colère, je crois. Mais bon, je sais pas, il va falloir que j'attaque un peu, tu vois. Celle qui grappute. Celui qui me donne le plus de trucs dans les cheveux. Eh ben, je m'en fous si vous êtes des putains d'homophobes. Parce que moi, je finis avec tout mon BDE. Avec toi. Merde, ah bah, Lauranne. Alors là, sans hésiter, une blonde aux yeux bleus, enfin voilà. Tu veux finir la soirée avec moi? Avec elle. Disons, je crois. Maëlys. Je veux finir ma soirée avec Maëlys, voilà. Le harem de Théophile aussi est assez exceptionnel ce soir. Et avec Théophile, hein, bien sûr. Théophile. Hein. Obligatoire, hein. Théophile. Dans le BDE rouge des Apaches, il y avait une meuf, bah, c'était il y a 2 ans la prépa, une grande brune. Si j'ai le temps, je te la montrerai sur la vidéo du week-end ski. Et je sais pas si elle est restée à CPE, mais je suis très intéressé. Je connais pas les prénoms. Je connais pas les prénoms. J'ai un vu la prof de français. Sincèrement, écoutez, je ne sais pas. Il y en a tellement. Oh. Par contre, on m'a dit que monsieur Colomb, il aimerait bien finir avec.